les Casus et les Jacques le Fou et tout le tralala, là, ils sont là, d'accord? Ils n'ont pas de savoir. Ils ont juste des bribes d'informations comme ça à l'écrit, sans connaissance plus profonde. Et ils ne veulent pas en entendre parler, d'ailleurs, hein, de la connaissance plus profonde. Hein, ils essaient de se contrôler, mais on voit leur haine, là. Ça bave de partout. Leur haine, elle passe même à travers l'écran. Et puis ensuite, on va aussi parler du cas de Jacques le Fou, appelé aussi Jacques la Folle. Alors, calmez-vous. Récemment, je suis tombé sur la vidéo d'un imam français qui, vous allez le voir, ordonne aux musulmans de ne pas aller débattre face aux apostats. La raison va vous surprendre. Écoutez, c'est Luc Caviar. Ils sont tous là en train de faire la promotion de leur idéologie, d'accord, de leur sectarisme, à vouloir endoctriner les gens et à insulter la foi de l'autre. Vous voyez, donc tout ça, c'est pourri. Voilà, tout ça, c'est pourri. Pourri. C'est nul, ça n'a pas de sens. Donc le musulman, moi, je l'invite surtout à étudier sa religion et à ne pas débattre. Perte de temps inutile. Étudie ta religion, rapproche-toi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non, chacun il étudie, il avance, il écrit, il argumente, mais les débats comme ça, où chacun il veut sortir vainqueur, chacun il veut humilier l'autre, d'ailleurs Abu Hamid al-Ghazali en parle dans Ihya Ulum ad-Din, ça n'a pas de sens, c'est pas la voie du musulman, c'est pas la voie du croyant. Hein. Alors là, petite pause, hein, parce que c'est très intéressant, il s'adresse aux musulmans. Là, il dit aux musulmans qu'ils sont trop cons pour débattre. Sois musulman et tais-toi. Ne te pose pas de questions, d'autres le feront pour toi. Toi, t'es juste bon à prier, à faire le ramadan, c'est tout. T'es juste bon à respirer, le reste, ça te concerne pas. Mais non, mon gars. Mais non. J'exagère à peine, c'est ce qu'il dit là en filigrane. Donc je sais pas s'il y a des musulmans qui verront cette vidéo, mais sache que tu as d'un côté des apostats qui te considèrent comme un humain, capable de réfléchir, d'évoluer, de changer d'avis, et qui te proposent de venir débattre de ta croyance, et de l'autre, un imam qui te considère trop con pour écouter une critique de ta croyance. Choisis ton camp, camarade. Maintenant on va parler des fous furieux là, les Jacks, les Casus Ladies, etc. Déjà ce sont tous des lâches, ça il faut le rappeler. Des lâches? Enfin, ils organisent des débats avec n'importe quel musulman et ce sont des lâches? Attends une minute, qui est-ce qui refuse de venir débattre et en plus demande à tous les musulmans de ne pas y aller? Non, ça, tout ça n'a pas de sens et ça ne peut pas durer éternellement. Mec, c'est pas parce que toi t'as aucun courage que c'est le cas de ta communauté, et calme-toi. Parce que moi, au moins mon identité elle est claire, Cheikh Il Siddique, eux leur identité ils la cachent. Il y en a un, il a un masque, il veut pas être connu. Donc vous êtes que des... Des pleutres et des lâches. Vous êtes que ça en fait. Incapable, si vous voulez, de montrer son visage, tellement vous avez peur. Vous voyez, vous montrez pas votre tête, vous assumez même pas vos propos et vos idées. C'est pas possible! Alors là, deux choses. La première, c'est pourquoi. Pourquoi il faut absolument montrer son visage? Quelles conséquences ça peut avoir dans le monde réel? Je comprends pas. Est-il en train de dire que les musulmans de France sont des gens violents, incapables d'écouter une critique de leur dogme? Personnellement, je considère que les musulmans sont des humains comme les autres, donc je ne vois pas pourquoi, moi, Jack, Amir, ou encore Cassius, on devrait avoir peur de montrer notre visage. À moins, encore une fois, que l'on considère que les musulmans sont des sauvages, ce que ce monsieur semble sous-entendre. Mais surtout, de quoi il parle? Amir a déjà montré son visage, le masque c'est plus un objet symbolique, Quant à Jack, Cassius et les autres, l'écrasante majorité, ont déjà montré leur visage, donc de quoi ils parlent? Je comprends pas, le mec s'invente une belle histoire, c'est magique, c'est magnifique. Parce qu'il prétend qu'ils ont un problème avec l'islam et pas avec les musulmans, mais bon, ça c'est pas possible. Quand t'as un problème avec l'islam, t'as un problème avec les musulmans, il faut arrêter ces bêtises. Non, c'est pareil, d'accord? Si tu détestes l'islam, celui qui porte les valeurs de l'islam, tu vas le détester automatiquement. Tu peux pas me dire non, c'est pas pareil. Et donc ils essaient de faire croire que non, ils respectent l'être humain, le musulman, le pauvre qui est victime, et le reste c'est la religion, c'est ça qui est barbare. Bon, on va suivre sa logique de pensée et on va aller jusqu'au bout, histoire de voir où ça nous mène. Si ce qu'il dit est vrai, c'est très grave, car ça veut dire que nous avons un problème avec des millions d'humains juste parce qu'ils sont musulmans. Et ça c'est grave, c'est du ramisme. À la limite, je me dis ok, tiens. Ok. Donc, s'il mélange critique de l'islam et critique des musulmans, et qu'il considère que c'est la même chose, à votre avis, quel genre de loi il serait prêt à mettre en place pour éviter qu'on critique l'islam? Vous avez 4 heures, le dernier éteint la lumière. La réalité, c'est que bien sûr, avoir un problème avec une idéologie, qu'elle soit divine ou humaine, ne veut pas dire qu'on a un problème avec les gens. Sinon, moi j'ai un problème avec l'idéologie marxiste. Est-ce que je déteste tous les marxistes? Évidemment qu'on ne déteste pas les gens. Il y a une foultitude de manières de voir, d'appréhender cette idéologie. Par exemple, Naïf, VS Expert, est un marxiste.
Mais ça ne m'empêche pas de bien aimer ce mec. Il est plutôt sympa, il est plutôt rigolo, il est plutôt mignon, quoi. Et c'est la même chose pour l'islam, hein. Il y a autant d'islam qu'il y a de musulmans, donc c'est inutile et dangereux d'amalgamer l'islam et les musulmans. Car les musulmans ne perçoivent pas tous leurs croyances de la même façon. Ce n'est pas un bloc homogène. Enfin, je sais pas, ça me semble logique, quoi. Dans le fond de votre cœur, vous savez que ce que je dis est vrai. Moi, je suis un religieux, je parle de Dieu, de l'islam, je parle aux croyants et aux musulmans. Ok, très bien. Mais est-ce que moi, je fais des lives sur TikTok tous les jours, pendant des heures, d'accord, pour sortir les chrétiens du christianisme? Mais jamais de la vie! Est-ce que je fais des lives tous les jours pour sortir les gens de leur religion? Non, mais c'est quoi ça? Bah ok, mais si tu veux le faire, fais-le, hein, aucun problème. D'autant plus que la sphère qui gravite autour de Jack ne font pas ça pour faire apostasier, mais pour mettre sur la place publique l'idéologie de l'islam sunnite. Hein. Si lire les textes de l'islam sunnite fait apostasier des gens, c'est un effet secondaire. Hein. Peut-être qu'il est volontaire ou pas, mais quand on voit un humain qui a un raisonnement irrationnel, forcément, on va avoir tendance à essayer de le ramener à la raison. Si moi, par exemple, je croise un platiste et qu'il me parle de sa croyance, grâce à mon empathie, je vais tenter de lui planter un couteau dans le dos à cet enfoiré. Non, je plaisante, calme-toi. Hein. Grâce à mon empathie, je vais tenter de lui planter une graine de doute en lui amenant des arguments rationnels. Cette graine germera peut-être au bout de quelques semaines ou quelques mois, j'en sais rien. Mais je ne peux me résigner à le laisser dans sa croyance irrationnelle sans lui offrir le droit d'écouter une critique de sa croyance. Pour les musulmans, c'est sensiblement la même chose. Les apostats et tous ceux qui gravitent autour offrent aux musulmans le droit d'écouter une critique de leur dogme. Que ça te plaise ou non, toi, tu sembles refuser ce droit à tes compatriotes musulmans, nous, on leur offre ce droit. Donc on a des gens qui détestent l'islam, qui attaquent et leur seul but c'est de casser l'islam et de sortir les gens de l'islam, c'est pas objectif, c'est pas universitaire, donc c'est une perte de temps. Qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Donc il y a des gens, ils y croient, ils y vont pour défendre l'islam, mais tu vas rien défendre du tout, tu vas te faire humilier et partir, voilà ce qui va se passer. Hein, et puis ces gens-là, vous remarquerez, hein, jamais ils vont attaquer le christianisme, jamais ils vont attaquer le judaïsme. Voilà, c'est que l'islam, c'est un problème qu'ils ont avec l'islam, hein. C'est pas avec les autres religions. Ah ça y est, il nous fait une crise de jalousie, hein. Mais c'est faux, hein. Ils ont déjà critiqué le judaïsme et le catholicisme, mais ce qu'ils connaissent le mieux, ce qu'on connaît le mieux en tout cas, c'est l'islam, hein. Désolé. À titre perso, si je connais mieux l'islam que les autres religions, c'est pour deux raisons. La première, c'est que à la suite des attentats en France, hein, j'entendais partout dans les médias, c'est pas ça l'islam c'est la paix, l'islam c'est l'amour, bref, l'islam n'a rien à voir avec l'islam, vous connaissez. Du coup, j'ai voulu vérifier, et vraiment, j'étais pas prêt. Hein. Et surtout, la deuxième raison, c'est parce que j'ai voulu savoir ce que Dieu voulait nous transmettre comme message. Et quoi de mieux qu'un livre, le Coran, qui prétend être le verbatim, la retranscription parfaite de sa parole. Excuse-nous d'avoir lu le Coran, hein, pardon. Hein. Mais oui, le judaïsme, c'est sûrement la même merde. Et ça ne rendra jamais meilleur les préceptes de l'islam. Désolé. C'est pas parce que t'es sur l'autoroute que t'as roulé à 160 et que tu t'es fait arrêter par la police, et que juste derrière toi, il y a un mec qui a roulé à 170 km/h, que ça va rendre ton excès de vitesse moins valide, tu vois. Enfin, c'est... Je veux dire, un excès, on ne justifie pas un autre. Enfin, voilà, c'est tout. L'objectivité, on l'étudie bien, l'université n'existe pas. Donc eux, ils ne sont pas objectifs. Ce sont des gens qui détestent Dieu, qui détestent l'islam, et c'est à partir de là qu'ils vont regarder les textes, comprendre l'islam. C'est comme ça qu'ils vont regarder le droit musulman. C'est sous ce prisme-là, le prisme de la haine. Vous voyez ? Eh oui, donc ça c'est... Bah non, puisque justement Amir était musulman, donc il n'avait aucun problème, hein. C'est quand il a lu les textes qu'il a commencé à voir un problème justement. Cassius, elle ne s'y intéressait pas, donc elle était neutre, hein. Et c'est quand elle a aussi lu les textes qu'elle a commencé à voir aussi un problème. Tu peux pas avoir une haine d'un truc que tu ignores. Ça aussi c'est irrationnel d'ailleurs. Eh oui, donc ça c'est... Et oui, forcément, si en lisant les textes tu t'aperçois que Allah considère les homos et les apostats comme des sous-hommes qui ne méritent pas de vivre, bah oui, là on peut commencer à avoir un problème avec cette idéologie. C'est plutôt normal en fait, hein. Calme-toi. Ils aiment bien revenir sur l'esclavage. Hein. Ah bah, l'esclavage. Non, l'esclavage, c'est proscrit en islam. Il y a eu des colloques qui ont été faits dernièrement dessus. J'en parle beaucoup dans mes vidéos aussi, même dans mes cours. Ah, intéressant. Alors, si quelqu'un peut lui demander une source, là, ça m'intéresse. Hein, car à ma connaissance, absolument aucune source de l'islam sunnite interdit l'esclavage. Hein. Donc, si ce monsieur voit cette vidéo, j'aimerais bien un ou plusieurs textes, hein, de la Sunna ou du Coran qui interdit l'esclavage. Hein. Vraiment, j'ai hâte. Hein, parce que non, ça fait à peu près 1400 ans qu'on attend. Hein. Après, si ce mec veut réformer l'islam sunnite, je ne peux que l'encourager dans sa démarche, hein. Bravo à lui, mais il faut pas le faire avec nous, faut le faire avec les musulmans sunnites. Bref, une vidéo de 15 minutes où il passe son temps à invectiver les apostats sans jamais répondre sur le fond, et jamais apporter aucune source. Ben, beau projet de mongol, les gars, beau projet. Le mec a réussi à s'auto-humilier sans aucun contradicteur. À ce niveau-là, c'est du génie. Il aurait pu prendre une affirmation précise, hein, sur Aïcha ou sur l'esclavage, et nous montrer avec des sources précises que les apostats se trompent. Mais non, il a préféré ne rien dire sur le fond pendant 15 longues minutes. Bref, une
sombre affaire. Et toi, mon petit bonhomme, t'en penses quoi finalement tout ça? Parce que moi, je... Ah oui, en fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai une page Tipeee. Voilà, s'il y en a qui veulent me payer un café ou un McDo, ou j'en sais rien, enfin, qui veulent me ralasse, quoi, tu vois, ce que je dis ou quoi, bah, n'hésitez pas, tu vois, ma page Tipeee, elle est là, tranquille, elle attend, toi, tranquillement, tu vois. Inch'Allah, comme on dit en Bretagne. Allez, des bisous. Eh oui, donc ça, c'est...